الله الحمد لله الحمد لله وحده والقائل في كتابه الحكيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل الله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وقال في كتابه وإذا قيل له لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ثم قال في آخر سورة البقرة الذين يأكلون لما لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويلبي الصدقات والله لا يحب الكفارين وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون بون التحضيرية لما نستعمل اللغة الفرنسية واش كل شيء تبع ما عنده مشكل مع اللغة الفرنسية اوكي إذا نستعمل اللغة الفرنسية Prise de risque excessive, etc.
Quels sont ces facteurs? Quels sont ces facteurs qui ont entraîné la crise? Donc le premier facteur, c'est l'allocation non optimale du capital. Ça, c'est du charabia, ça veut dire. C'est simple. Si vous avez quelqu'un qui gagne 3000 dirhams et quelqu'un qui gagne 30 000 dirhams, et que tous les deux vont à la banque pour contracter un crédit de 1 million de dirhams, disons que la banque n'a que 1 million de dirhams, qui sera choisi? Quelle que soit la valeur ajoutée du projet de celui qui gagne 3000 dirhams. Ça fait qu'on a comme une centrifugeuse qui fait que l'argent produit l'argent. Et l'argent revient toujours aux riches. Et donc les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Les riches et les spéculateurs ont plus d'opportunités, puisque le riche a plus d'opportunités d'emprunter, donc il a plus d'opportunités pour faire des projets. Et donc ça pousse aussi à la rente. La rente, il y a rien, c'est ça, des rires. C'est-à-dire qu'on se repose et on attend les intérêts de la banque. Le résultat, ce sont des inégalités. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde, 300 personnes détiennent autant de richesses que 3,5 milliards, la moitié de la planète. 300 personnes avec des soldats comme le confier musulman. Donc les 300 personnes, ils sont aussi riches que 3,5 milliards de personnes. Et la Chine plus l'Inde aussi de Jumeau, on est riche. 1% de la population mondiale détient 50% des richesses mondiales. Et 10% de la population mondiale détient 83%. C'est-à-dire que c'est une première de la population mondiale, ils partagent les miettes qui restent. Et ça, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de 2 siècles de capitalisme. En finance islamique, on a 2 choses. D'abord, on a le principe du partage des profits et des pertes, qui est une règle fondamentale au solfège qui stipule que al rumu bil rumu, nul bénéfice sans sacrifice. Ou là, comme le disent certains collègues, no risk, no risk. Il est nécessaire de prendre un risque. On ne peut pas donner l'argent à la banque ou à quelqu'un et espérer un retour garanti. On partage les profits s'il y a des profits, on partage les pertes s'il y a des pertes. Ça, c'est la colonne vertébrale de la finance islamique. Quand on fait ça, ça entraîne une distribution du capital qui est plus optimale, parce que le banquier ne va plus voir celui qui a le plus de garanties, il va voir celui qui a le projet le plus intéressant, parce qu'il partage. Deuxième chose, la zakat, qui est le versant social de la finance islamique, parce que prendre la finance islamique juste à travers les banques islamiques, c'est faire une énorme erreur, parce que c'est réduire la finance islamique à l'aspect commercial. Alors, la finance islamique, elle a 3 ou 4 piliers. Elle a les banques islamiques, et la zakat, et elle a une institution qui est très forte, qui est loin. Deuxième facteur qui a entraîné la crise, c'est le fait que le risque est unilatéralement supporté. C'est-à-dire que si vous avez un projet, vous sortez de l'ENA et vous avez un formidable projet agricole, eh bien, si la banque vous prête, que vous gagniez ou que vous perdiez, à la rigueur, la banque, ça l'intéresse. Parce qu'il intéresse, c'est le taux d'intérêt mensuel ou annuel que vous payez. Donc, le risque est unilatéralement supporté. Donc, si vous perdez, non seulement vous perdez le capital que vous avez investi, mais en plus, il y a des intérêts qui vont reçu tout votre risque. Donc, ça crée un déséquilibre. D'accord ? Alors que si on partage, eh bien, si on gagne, on gagne tous les deux, et si on perd tous les deux, donc le choc est moins dur à supporter pour les deux parties. Et c'est le principe de la finance islamique, c'est le fait que les risques sont mutualisés. Troisième élément qui entraîne la crise, c'est l'effet de levier. Ça vous allez voir, enfin, si vous faites un jour de la finance, vous allez voir, c'est que si j'ai 10 dirhams, eh bien, je vais investir 100 dirhams. Je vais investir 10 en autofinancement et je vais emprunter 90 à la banque pour investir 100. Si j'ai 10 milliards, j'investis 100 milliards. Pourquoi? L'effet de levier nous dit que tant que le profit attendu du projet est supérieur au taux d'intérêt que vous allez payer, le projet est intéressant. Vous êtes d'accord? Si je gagnais 20% et que je paye 10% d'intérêt, c'est intéressant. Tant que
je gagne 20%. Mais le souci, c'est que, contrairement à l'intérêt qui est stable, le dividende et les profits sont fluctuants dans toute activité économique. Et là, donc, si ça baisse, et si je fais des pertes, non seulement j'ai les pertes, mais en plus j'ai les charges d'intérêt. Donc, j'ai mes pertes plus 10% d'intérêt. Donc, c'est l'effet de massue. C'est une massue. D'accord. Le simple fait qu'on fixe l'intérêt avant la réalisation du projet, ça entraîne une distorsion de l'économie. Pourquoi? Parce que, en général, quand vous prenez quelqu'un pour travailler avec vous, quand vous ne le connaissez pas, vous attendez qu'il travaille, ensuite vous le payez par rapport à la réalisation. Et là, on dit qu'on va rémunérer le capital à un taux prédéterminé. Donc, on crée une distorsion de l'économie. En finance islamique, l'intérêt est proscrit. Bon, quand il y a le débat, l'éternel débat qui revient tout le temps, j'ai l'intérêt ou l'usure, je nous l'intérêt, je nous l'usure, 10%, 20%. Là, c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que la distinction intérêt-usure, d'abord, n'existe pas en langue arabe. Il n'y a pas de l'économie. Il faut le mettre en l'âge. Parce que, faut prendre un mot là, il faut faire le coup. Donc le capital, vous avez le droit au capital. Même l'Église interdisait l'intérêt, c'est-à-dire que chez les chrétiens, l'intérêt est interdit. Chez les juifs aussi. Avant la captivité de Babylone, tu vois les Afrika, là, tu crées des bérivants. On m'a dit Afrika, juif. Non, juif, c'est pas là. Donc les juifs, depuis longtemps, ils prennent l'intérêt, depuis plus de 2000 ans. C'est pour ça que les juifs, les grands directeurs des banques aujourd'hui sont des juifs. Goldman, Morgan, etc. Là, je dis généralement, c'est un nom héritage, une histoire d'usure ou d'intérêt. Parce que les chrétiens ne prenaient pas l'intérêt. Jusqu'à 1822, quand l'Église, sous la pression des juifs, sous la pression des banquiers, sous la pression des commerçants et des bourgeois, a dit, bon, l'intérêt, c'est pas grave s'il n'est pas usuraire. Donc c'est là où on a eu la distinction usure-intérêt. Cette distinction n'existe pas en islam. Usuraire, l'usure, c'est le législateur qui l'a défini, c'est lui qui fait la loi. Donc on peut dire que l'usure c'est à partir de 30%, 40%, 50%, ça dépend des pays. Mais en général, les taux d'intérêt peuvent voler très haut. Plus vous êtes un individu risqué, plus on monte le taux d'intérêt. Donc, en finance islamique, le capital, comment on le rémunère? Après, plutôt. Une fois que l'opération de production est réalisée, s'il y a des profits, on partage. Donc, dans la finance classique, vous avez une rémunération excentée, c'est-à-dire a priori du capital. Dans la finance islamique, vous avez une rémunération ex-poste du capital, après l'opération de production. Quatrième facteur qui a entraîné la crise, c'est le commerce de la dette et la titrisation. Ou tasquer la titrisation. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas croire que la banque, comme vous savez, la stratégie de la banque est un peu similaire à la stratégie de Shepan. Elle est une Shepan, l'équivré, il s'agit de l'île. Je suis Ktel, je suis Zné, je suis Sart, non, il arrive. Bon, elle dit c'est pas grave. Mais elle dit que c'est pas grave. Sont gratuits, après vous aurez le compte, après on fait des facilités de caisse, après vous prenez un crédit, et après le massage. Donc, la banque, il faut savoir que la banque, quand elle vous prête de l'argent, elle ne va pas vous apprendre. Enfin, ici au Maroc, pas encore beaucoup, mais en Europe, c'est clair, la banque n'attend pas de l'argent en Europe. C'est faux, parce que beaucoup de gens pensent que l'opération qu'ils font avec la banque, même dans le compte courant, ça s'appelle WDA, c'est un dépôt. Ce qui n'est pas vrai. Quand vous donnez de l'argent à la banque, c'est un prêt. L'individu,
prête son argent à la banque. Or, le prêt stipule l'amana ou le qard. L'amana, là, il y a juste ce sarofé. Donc, la banque, quand vous lui prêtez de l'argent, alors que ça s'appelle par la vue de langage un dépôt, et bien elle va l'utiliser pour le prêter à quelqu'un d'autre, pour l'investir en bourse, etc., etc. Plus que ça, ce qui est curieux, c'est que la banque, quand vous lui donnez un dirham, elle s'arrange pour mettre en circulation 10 dirhams à partir d'un seul dirham. Vous savez bien comment ça se fait. Eh bien, c'est simple. Si on revient 3 siècles en arrière, comment ça s'est passé? Les gens déposaient leur argent chez l'orfèvre, Golden. Là, je vais m'égarer des coffres, etc., etc. Et l'orfèvre se rendait compte que, bon, l'argent ne sortait pas des coffres. Une fois qu'il rentrait, il ne sortait pas. C'est normal. Vous avez une richesse, vous la mettez dans un coffre, vous ne la sortez pas tous les jours. Vous allez la sortir une fois par toute votre vie pour acheter quelque chose d'important, ou là, vous n'allez jamais sortir. Donc l'orfèvre, qu'est-ce qu'il gagnait au début? Il gagnait le prix de location du coffre. Le loyer du coffre. Mais quand il a remarqué que l'argent ne sortait pas, il a commencé à prêter cet argent, même s'il ne lui appartenait pas. Donc il donnait des bons. Maintenant, chaque bon fait 1 gramme d'or. Donc les gens commençaient à faire leurs transactions avec les bons, mais chez avec les pièces d'or. Alors je dis, mais avec les pièces d'or, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça sert à rien, j'ai un bon fèvre, un jeu d'or, un thème, un de jarre, etc. L'orfèvre a remarqué que même quand il prêtait de l'argent qui ne lui appartenait pas, l'or était toujours là-bas. Donc il s'est dit, bon, ben, je vais écrire un petit peu plus de bons. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il touchait, c'est la location plus l'intérêt sur chaque bon qu'il a émis. Donc il a commencé, par exemple, s'il avait 1000 grammes d'or dans les coffres, il a commencé à émettre 1500, 2000 grammes de bons. Or il n'a que 1000 grammes. Donc potentiellement, si tout le monde venait demander son argent à l'orfèvre, il y a juste les 1000 grammes qui existent. Les 2000 n'existent pas. La banque aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que le ratio s'est agrandi. On a le ratio de Bâle. Bâle, ce sont les accords prudentiels pour les banques, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas dépasser. Donc la banque, pour 1 dollar en caisse ou 1 dirham, elle n'a pas le droit de mettre en circulation plus de 10 dirhams. Mais avec le système des réserves fractionnaires, elle peut aller plus loin. Par exemple, on a trouvé avec la crise aux États-Unis des banques qui, avec 1 dollar, prêtaient 100 dollars. Vous allez dire, mais ce n'est pas possible. J'ai 1 dollar quand je prête 100 dollars. C'est simple. Je l'écris sur votre compte. Si par exemple j'ai un client qui dépose 1 million de dollars, je peux créer jusqu'à 10 millions de dollars dans les comptes des gens à travers des prêts. Donc le crédit, c'est une création monétaire. Donc quand vous allez chez la banque, j'espère que vous n'irez jamais faire ça, mais si quelqu'un va chez la banque prendre un prêt, il ne faut pas croire que cet argent du prêt existe. Cet argent n'existe pas, quasiment pas. C'est-à-dire, si quelqu'un va emprunter 100 millions pour acheter une maison, bien, il va avoir 100 millions en plus pour relever de compte, bien, on est d'accord. Donc, les 100 millions, qu'est-ce qui existe de ces 100 millions? 10 millions ou moins. Donc, quand est-ce que les 100 millions vont exister? Quand vous, travailleurs, vous allez travailler et rembourser petit à petit. Donc là, il y a une situation de destruction monétaire. Dès que l'argent vient à exister. Donc, quand on a la carte bancaire et le chéquier, on fait tourner les écritures. Mais l'argent réel, si vous allez par exemple dans le site de Banque du Maghreb et que vous tapez les agrégats monétaires, vous allez voir que M1, c'est la masse monétaire fiduciaire, l'argent réel, par rapport à M3, qui est la masse monétaire totale, c'est 5%. C'est-à-dire que si on additionne tous les comptes dans un pays et qu'on les compare avec tout l'argent réel qui circule, l'argent réel ne représente que 5% des comptes. Donc, le cauchemar des banques, c'est quoi? C'est que les gens retiennent leur argent. Pourquoi? Parce qu'il n'y est pas. C'est pour ça que quand vous allez chez la banque et que vous lui dites, si vous avez des parents qui ont beaucoup d'argent, mettez un 50, 100 millions, et qu'il va chez la banque et lui dit, moi j'ai envie de retirer 20 millions. C'est problématique. Il vous dit, donnez-nous 48 heures. Allez, je sais, il y a aussi. Là, mais j'ai plus. Calme. Vous êtes plus à ce moment-là. Alors, vous investissez en bourse, vous investissez en bourse. Donc, vous êtes plus. Donc, ni que chez la banque. Il ne faut pas croire que la banque, durant les 48 heures, elle va dans un grand coffre pour vous
elle va emprunter de l'argent à votre prêt. Elle va se faire prêter de l'argent liquide fiduciaire pour vous le donner. Et elle va payer de l'intérêt sur cet argent. C'est la banque. Elle fait tourner son activité avec plus 10 000, moins 10 000. Ça passe. Mais quand vous demandez à acheter 20, 60, 100 millions, ça c'est problématique. Moi un jour j'ai assisté à une scène qui était très drôle. C'était à Casablanca. C'est un client d'une banque dont je ne vais pas citer le nom qui n'était pas content. Il n'était pas content du tout. Et tellement il n'était pas content, il leur a dit aujourd'hui je lui mon compte. Le problème c'est que ce n'était pas un compte d'IAD immédiatement, c'était un compte d'IAD. Il fallait voir le caissier. Comme ça. Pourquoi tu. Donc, dès que tu es million, il faut que dès que la banque aille chez Banque le Maghreb, l'emprunter en argent physique, payer un taux d'intérêt, le donner à son client. Vous voyez le processus. Donc, la création monétaire, ça a entraîné la crise. D'ailleurs, Maurice Allais, qui est prix Nobel de l'économie, disait que la première cause de la crise, c'est la création. On a une déconnexion. On a l'inflation. Chaque année, il y a 2% d'inflation, 3% d'inflation automatique. Ça va trop. Il y a une année qui soit mieux, peut-être qu'il soit mieux au classement. C'est-à-dire, l'année d'après, quand elle coûte 103, elle va coûter 104, ou la 105, ou la 106. Pourquoi c'est automatique? Parce que chaque année, on crée plus de monnaie. Pourquoi on crée plus de monnaie? Parce que pour rembourser les intérêts, il faut gonfler le principal. Ça, c'est problématique. Parce que quand la bulle éclate, tout descend. Et ceux qui perdent, c'est ceux qui ont le principal. Ceux qui touchent les intérêts, c'est les premiers qui sont payés. Donc, on a une déconnexion entre la masse monétaire et l'économie réelle. Si par exemple, j'ai un mouchoir et que j'ai un dirham, toute l'économie de la planète, c'est un mouchoir et un dirham. Quel est le coût du mouchoir? Un dirham. Si maintenant j'imprime un autre dirham, quel sera le coût du mouchoir de dirham? Donc créer de l'argent, beaucoup de gens pensent que quand la banque centrale crée de l'argent, elle imprime. On dit, c'est un ami de langage, on fait tourner la planche à billets. C'est pas vrai. La planche à billets, on fait tourner les bouches des PC. On écrit 10 millions, 100 millions. C'est ça qui tourne, c'est les doigts des commerciaux, des chargés de clients, la gentille dame. Ce qu'il faut savoir, avec la création monétaire, avec la titrisation, la création monétaire est potentiellement impayée. Pourquoi? Parce que je suis banquier, j'ai un dirham, donc je peux créer au maximum 10 dirhams. Je ne peux pas créer 11 dirhams. Donc si j'ai 1 milliard et que j'ai 10 clients, je peux donner à chacun de ces 10 nouveaux clients 1 milliard. Ça fait 10 milliards. Mais si j'ai un 11e client, je ne peux pas lui donner 1 milliard. Si je vends un contrat de prêt de 1 milliard à la bourse, donc je n'ai plus que 9 milliards de prêts, donc je peux reprêter un nouveau prêt de 1 milliard pour atteindre la limite de 10 milliards. Et je vends et je crée. Donc avec la titrisation, la création monétaire est potentiellement infinie. En finance islamique, la création monétaire est interdite selon les économistes les plus solides dans la pensée de la théorie islamique, et l'émission est centralisée. L'imam Ahmed avait dit à propos de Tabutirah Moudina, Rouli Sultan, c'est-à-dire que si on donne le droit comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il ne faut pas croire que c'est l'État qui crée la monnaie, c'est faux. La caricature de ce système, c'est aux États-Unis. Même la banque centrale aux États-Unis n'appartient pas à l'État. La Federal Reserve. La banque centrale aux États-Unis, elle appartient à un groupe de banques privées, notamment j'ai été au Maroc, on a, heureusement, la banque centrale appartient encore à l'État, mais qui crée la monnaie? Ce sont les banques privées. Comment? En faisant des prêts. Mais ça lève le jour. Le 1er janvier, la masse monétaire totale est à 1 milliard. Si on fait un prêt à un nouveau client d'il y a 1 million, la masse monétaire totale sera de 1 milliard à 1 million. Ça, ce sont tous des facteurs qui sont liés à l'intérêt. S'il n'y avait pas l'intérêt, tout ça
ça n'aurait pas lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'on ne pourrait pas vendre de la dette avec intérêt, parce qu'on ne pourrait pas faire de discount, parce qu'on ne pourrait pas faire de la création monétaire, parce qu'il n'y aurait pas d'inflation, etc. Donc tout ça, les facteurs en jeu, c'est lié à l'intérêt. C'est pour ça que il y a un livre d'islam, le Coran, vous voyez que la cour de développement est spéciale. À tel point que le ulama a lié au mal. Très reconnu, c'est un dommage. On me nomme les Islam Salam, les Yolakam, mais sont pas le ulama. Les Islam Salam, quand ils font tout, sont pas dire de l'amour, et nous, mais ça, quand ils font le agi, chimchi, d'ailleurs, on a dit, ah, et nous, on a dit, قالوا أنا أخرج أمشي لسوريا. تبعوه آلاف ديال الناس، قالوا أنا نجي الله يهديك ويخليك. يعني كان عندنا واحد القوة واحد لابوريس. ليس بن عبد السلام قال يعني ما أدركش لماذا رباب الكبائر؟ لماذا ذنب؟ لكن أن يكون فيها حرب من الله بزاف. يعني الحرب من الله ما كاينه حتى بصاله في شي دم في القران ولا في الربا. اذا دو فيان سيت امبورتون سي فيان دو لا باسكو لانتيغي سي لا سورس برانسيبال دي بروبليم دو سون سي لانتيغي كي فيك لي ريش سانفيشي سي بوغ سا بوغريس سي لانتيغي كي فيك اوجوردي اون ا 300 بيرسون كي اون طون دو ريشيس كو 3.5 مليار دو بيرسون سي لانتيغي كي فيك 1% de la population détient la moitié de la planète. Et à cause de cet intérêt, le citoyen moyen voit la vie toujours plus chère, à l'âge. Ben, si vous êtes riche et vous voulez acheter un appartement à 100 millions, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez chez qui? Vous remplissez 100 millions et vous payez. Donc l'appartement, vous avez combien? 100 millions. Si vous êtes en classe moyenne, vous allez contracter un prêt à la banque. 100 millions à tous les chals, 170, 200, 220, et ça va perdre. Donc le riche, l'appartement de 100 millions, ou le pauvre, Zido, 220. Même chose pour la voiture, même chose pour l'Ajah, même chose pour. Il y a des gens qui achètent même les Houli, l'intérêt. Adawul Hamar, Sunna, le Kabira. Il y a une université Sunna. C'est incroyable. Donc l'intérêt, fondamentalement, c'est la cause. L'une des deux causes principales, c'est la cause principale des dérives de société. Deuxième catégorie de causes qui entraîne deuxième catégorie de causes qui entraîne la crise. D'abord, la mauvaise gouvernance et l'éthique. On a des scandales, vous avez entendu parler peut-être des scandales de Jérôme Kerviel, etc. Des gens qui trichent avec le système. On a des scandales d'un point de vue logique, c'est-à-dire pourquoi quand les banques font faillite, l'État les sauve. L'État c'est qui? C'est les taxes. Les taxes c'est qui? C'est le peuple. Donc pourquoi l'État se donne le droit de prendre les taxes et de les donner aux banquiers? Je vais faire un petit intérêt. Non, parce qu'ils font toujours plus de bêtises. Le fait que l'État sauve toujours les banques, ça fait que les banques font toujours plus de bêtises, plus de risques. Si votre ancien bébé fait une bêtise et que vous ne lui montrez pas la limite, eh bien il va penser que c'est pas grave. Donc il va le refaire et faire plus. Il y a des lobbies. Grâce au lobby, le Maroc, c'est le dernier pays au monde à avoir la finance, dans le monde arabe à avoir la finance islamique, le lobby des banques. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le lobby de Wall Street, de la bourse, est plus fort que le lobby de l'armement. Et quand le lobby veut faire monter tel président, il le fait monter. Quand il veut faire descendre tel président, il le fait descendre. Plus que ça, aujourd'hui, la spéculation est utilisée comme une arme de guerre. C'est pas possible. Comment ça se fait? Eh bien, quand un pays veut détruire un autre pays, comment il peut procéder d'une manière financière?
bien, il augmente sa dette. Comment il peut augmenter sa dette? En augmentant le taux d'intérêt qu'il paye. Comment il peut augmenter le taux d'intérêt qu'il paye? En vendant la dette de ce pays à découvert. Donc si par exemple le pays, disons, le pays, je dis n'importe quoi, le pays X a envie de créer des problèmes au pays Y. Il faut savoir que tous les pays pratiquement sont endettés. Donc il paye un taux d'intérêt. Eh bien le pays X va vendre la dette du pays Y. En général, quand vous vendez la dette d'une entreprise ou d'un pays, c'est mauvais signe. Ça montre que dès que le pays, la dette du pays est plus intéressante. Parce que la dette, c'est quoi? C'est des taux d'intérêt. Vous êtes payé par les intérêts sur la dette. Donc si vous vous débarrassez d'une dette de quelqu'un, ça veut dire que dette de quelqu'un, il est douteux. Quand les gens de la bourse voient ça, les taux d'intérêt augmentent. Donc le pauvre pays qui est victime, eh bien, il doit payer plus d'intérêt. S'il paye 5%, il va payer 6, il va payer 7. Avec la crise, l'Espagne et l'Italie sont arrivés à des taux d'intérêt de 7% quasiment. La Grèce est arrivée à plus que ça. Donc la spéculation est utilisée aujourd'hui comme une arme de guerre. Aujourd'hui, les directeurs généraux des entreprises sont sous pression des actionnaires. Pourquoi? Parce qu'il faut faire plaisir aux actionnaires, il faut leur donner des dividendes qui sont importants, et donc on est sous pression. En finance islamique, on a quelque chose qui est très important, qui bloque tout ça. C'est quoi? C'est le Sharia Court qui est obligatoire. C'est quoi le Sharia Court? C'est un comité qui siège dans les banques islamiques, qui siège aussi dans les instances nationales de finance islamique, pour statuer sur les transactions, contrôler les transactions. Donc ça entraîne plus de rigueur, plus de régulation. Et on partage les profits et les pertes en finance. Deuxième chose, le poids des assurances. Le poids des assurances accroît la spéculation. Pourquoi? Bien parce que si les banquiers n'avaient pas trouvé, si les banquiers voulaient faire un prêt à un client douteux, par exemple un chômeur, qu'est-ce qui se passait pour la crise des subprimes en 2007? C'est que les banques prêtaient de l'argent à des gens qui n'avaient même pas de revenus. Pourquoi? Parce que la banque se disait, au pire, s'ils ne me remboursent pas, je prends la banque. Donc il n'y a quasiment pas de risque. Or c'est faux, il y a un risque. Donc, les banques, elles assurent les prêts. Il faut savoir que quand quelqu'un contracte un crédit chez une banque, il y a une assurance. Donc l'assurance, qu'est-ce qu'elle stipule? En cas de décès, en cas de défaut, en cas de... Et donc si les banques n'avaient pas trouvé des assureurs pour couvrir leurs prêts pourris, eh bien ils n'auraient pas fait ces prêts. Donc les assurances, le point des assurances est très important. Pourquoi? Parce que l'assurance en islam est impossible, mais moins que la banque. Il y a l'assurance d'Arab al-Arab. Ou c'est quoi le gharar? C'est vous faites une vente, mais en gros, vous ne savez pas de cette vente, est-ce que vous êtes bien de l'assurance pour la voiture? Est-ce que vous savez que telle année vous allez récupérer tant d'argent ou là vous allez donner tant d'argent? Ni vous ni l'assurance ne sait. Si vous faites une cotisation de 1 mois à 300 dirhams, vous faites un accident, l'assurance peut vous rembourser peut-être 10 millions ou 20 millions. Donc avec 300 dirhams, vous avez eu 30 millions. Il est possible que vous cotisiez pendant 30 ans et que vous n'avez fait aucun accident. Donc vous avez perdu des dizaines de millions. Donc c'est comme du hasard. Donc les assurances ont été déclarées illicites en islam. Par contre, l'assurance solidaire, qui est basée sur un modèle différent, elle est licite. Donc en finance islamique, rare est proscrit et les investissements illicites sont proscrits. Au Maroc, heureusement, encore une fois. Au Maroc, heureusement, on est sous-développé au niveau de la finance. Heureusement. On n'a pas encore beaucoup de titrisation. Les assurances n'ont pas le droit d'investir en bourse en dehors des obligations, etc. Donc, et ni le Maroc, on n'est pas très développé au niveau de la finance. Les ventes futures. Il faut savoir qu'en bourse, on vend beaucoup de choses, mais il y a très peu de choses qui sont livrées au final. Et ni
Et 98% des ventes futures, et les ventes futures, c'est je dis, je vends telle chose aujourd'hui, mais elle est livrée et elle est payée dans un an. Les ventes futures, 98% ne sont pas livrées, ce sont juste des transactions spéculatives. D'ailleurs, aujourd'hui, vous qui êtes dans une école d'agriculture, il faut savoir que le marché des matières premières, que ce soit le blé, l'orge, le lait, la poudre de lait, la poudre de jus d'orange, etc., sont la cible de spéculation. Il ne faut pas croire que c'est le gouvernement qui décide où on va se faire les prix. Le gouvernement a droit, le gouvernement a un secrétaire. Les prix, c'est à la bourse de Chicago. Et c'est à la bourse de Chicago où se définit le prix du blé, le prix de la farine, le prix de la poudre de lait, le prix des matières premières nécessaires. Or, le problème, c'est que quand le marché de l'immobilier, le marché des actions était saturé, les banques se sont dit, tiens, il y a encore un marché qui n'est pas saturé, c'est celui des matières premières. On va aller spéculer un petit peu dans ce marché. Et donc, le problème, c'est que quand la banque elle vient spéculer, elle a beaucoup d'argent, des centaines de milliards. Et quand ils avaient un marché qui voit des centaines de milliards d'euros d'un coup, qu'est-ce qui se passe pour les prix? Ils augmentent, c'est normal. Donc le spéculateur fait augmenter les prix. Et donc il faut savoir qu'entre le début 2007 et la fin 2008, les prix des matières premières ont doublé. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans le monde, la famine, il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui meurent de la famine. Qui meurent de faim. Et imaginez une famille en Afrique simple, deux personnes, deux enfants, qui travaillent toute la semaine pour gagner 5 dollars. Avec les 5 dollars, ils achètent leur sac de farine, de l'eau et peut-être des allumettes pour faire le feu. Eh bien, si le prix des matières premières double, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont manger la moitié, or déjà ils mangent. Soit deux personnes sur les quatre vont mourir. En général, c'est ce qui se passe, malheureusement. Donc, il faut savoir que dans les années 80, avec les plans d'ajustement structurel et le Fonds monétaire international, plus la spéculation des banques d'affaires dans les marchés de matières premières, chaque année, 500 000 enfants de moins de 5 ans mouraient. Et là, je vais vous donner une citation d'un ancien trader. Il s'appelle Gerald Anderson, qui a été trader pendant 12 ans à la City, en Angleterre, il disait. À la City, on mange autant qu'on peut, on boit, on sniffe, et d'abord, on fait le plus de fric possible. Les gens qui sont à la City, qui sont intéressés par l'argent par la définition, abusent du système. En général, ça passe, vu que directement, personne n'en souffre. Et ni le trader, ne fait de mal à personne, en apparence. Il fait de mal à personne. Mais ce qui se produit avec la crise, cet abus de système provoque du chômage, des expropriations, c'est-à-dire des gens sont virés de leur maison. Il faut savoir qu'avec la crise aux États-Unis en 2008, plus de 1 million de personnes ont perdu leur logement. 1 million de personnes, c'est la population dehors. 1 million de personnes dehors. Le guet-on là, sous le pont là. Des expropriations, ça diminue, il y a du suicide, la violence augmente, la dépression augmente. Tout ça, c'est le produit de crétins, comme celui que j'ai vu. Romain Prashkojna, il est sorti de l'Orient. En finance islamique, on a une transaction qui s'appelle Bay' al-Salam, qui est très cadrée, c'est-à-dire que les ventes futures sont illicites. La vente à découvert est prohibée. D'ailleurs, même dans certaines bourses en Occident aujourd'hui, ils commencent à interdire les ventes à découvert. C'est quoi la vente à découvert? C'est alors, ce soir, c'est la tabi amadissain. Alors, la tabi amadissain. Et tu n'as pas le droit de vendre quelque chose que tu ne possèdes pas. La complexité des produits structurés. Aujourd'hui, les dérivés sont de plus en plus complexes. Les régulateurs sont dépassés. Aujourd'hui, personne ne comprend ce qui se passe à la bourse. C'est trop compliqué. Personne ne comprend comment fonctionne le système monétaire. D'ailleurs, Galbraith, qui est un très grand économiste, avait dit « De toutes les disciplines de l'économie, l'étude de l'argent
et celle dont la difficulté sert le plus à cacher la réalité. Je suis un petit peu là. De toutes les disciplines de l'économie, l'étude de l'argent est celle dont la complexité sert le plus à cacher la réalité. Parce qu'on n'a pas envie de montrer aux gens comment fonctionne le système monétaire. On n'a pas envie qu'ils comprennent comment se passe la bourse. On n'a pas envie que les gens comprennent. Je vais vous donner une citation d'un autre ex-trader. Il était trader et il est sorti. Il s'appelle Jordan Belfort. Il disait, il sait que dans ce métier, on peut rapidement péter les plombs. Il disait, moi je gagnais $1 million. $1 million, rien de léa. Moi je gagnais $1 million par semaine. Ce qui fait à peu près 50 milliards par an. J'ai acheté beaucoup de voitures, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, tout ce qui était possible. J'ai même acheté une Aston Martin que j'ai transformée en voiture James Bond avec des clous et l'huile qu'on peut jeter derrière la voiture. Vous savez, j'ai fait des choses vraiment stupides. J'ai acheté des palais. J'ai acheté un yacht de 60 mètres, un bateau, un yacht de 60 mètres, avec un hélicoptère dessus. J'ai même acheté le yacht de Coco Chanel. Mais celui-là, je l'ai fait couler. Je l'ai planté lors d'une tempête parce que j'étais complètement drogué. Ma vie n'avait aucun sens. L'argent n'avait aucune importance. Vous savez, à cet instant, en fait, je ne créais rien. C'est très important. Je ne créais rien. Le trader, qu'est-ce qu'il crée ? Rien du tout. Quand vous bossez à Wall Street, tout tourne autour de l'argent. Ça, c'est l'exemple d'un homme qui a atteint le sommet de la montagne, c'est pas ça. Donc, on n'a pas envie que vous compreniez qu'est-ce qui se passe à la bourse. Ce qu'on vous apprend en économie, c'est que la bourse, c'est un endroit où les entreprises peuvent lever du financement au lieu de s'endetter auprès de la banque. C'est ça, chapitre 1 de la bourse. Mais bon, après, les détails, voilà. En finance islamique, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on doit séparer l'actif du risque. Donc, par exemple, aujourd'hui, quand vous dites finance islamique, vous dites que tous les derivatives sont même interdits. En finance islamique, on vend des vrais produits. Les dérivés, c'est le prima. Non, le prima. C'est quoi un dérivé? C'est comme une TSC, de la haute. Il y a un qui est pour la droite. Ils font un pari, celui qui gagne, il prend le capital, c'est-à-dire le dérivé. Entre autres, il y a beaucoup de dérivés, bien sûr, les trackers, les poutres, les codes, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ça. Autre élément qui a entraîné la crise, c'est les spéculateurs institutionnels et la vitesse des transactions. À votre avis, aujourd'hui, quelle est la moyenne de détention d'une action? Et quand quelqu'un achète une action, il la garde pendant combien de temps avant de la revendre? Dans les années 70, c'était quelques jours. Aujourd'hui, c'est 22 secondes. Mais 22 secondes, c'est bien, j'allais dire c'est bien, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train d'émerger depuis 2010, qui s'appelle le High Frequency Trading. En fait, ce sont des robots qui peuvent faire jusqu'à 1 million de transactions par seconde. Et il est comme si vous dites une chaise qui se vend et qui s'achète 1 million de fois en une seconde. Aujourd'hui, c'est ça la bourse. Aux États-Unis, plus de 2/3 des transactions sont du High Frequency Trading. Tout ça, c'est quoi? Ça entraîne l'augmentation des prix, ça entraîne l'inflation, ça entraîne des craques. En 2010, la bourse du Dow Jones a baissé de pratiquement 14% sans raison, parce qu'un robot avait dérapé. Malheureusement. En finance islamique, le maïs, la spéculation est prohibée. Il ne manquera pas le maïs, c'est un bolus, mais il n'y a pas d'échec. Le christianisme, le christianisme, c'est le christianisme.
نحن نشاهد محكم جدا لان القران يفسر بعضه بعضا والايه الاخرى فيها فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور وقول الزور من الكبائر والاوثان من الشرك واش نقولوا الاوثان مكروه والزور على اي حال دونك ما يصير لا يجوز principal facteur de la spéculation aussi, c'est le poids des produits dérivés. Aujourd'hui, à votre avis, quel est le poids des produits dérivés par rapport aux richesses réelles? 1200%. Et on est plus dans la spéculation sur des papiers qui n'ont pas de sens que sur les actifs réels. Au début, les dérivés ont été créés pour couvrir le risque. 3% des dérivés servaient à la spéculation et 97% servaient à couvrir le risque. C'est quoi un produit dérivé, disons, un call, une option d'achat? C'est un papier qui vous donne le droit d'acheter un produit après un an à un prix donné. Le produit jeune et le papier jeune. C'est-à-dire qu'on peut vendre et acheter ce papier. Ce papier, c'est quoi? C'est un droit de. C'est une option qu'on peut exercer ou ne pas exercer. Mais aujourd'hui en bourse, le problème c'est que les dérivés servent à la spéculation. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que le baril de pétrole soit à 100$. Si le baril de pétrole passe à 120$ et que vous avez acheté le baril de pétrole, vous avez gagné combien? 20%. C'est très bien en bourse. Mais il y a mieux. Une option d'achat sur le baril de pétrole qui vous permet d'acheter le baril de pétrole à 100 à la date d'échéance, c'est-à-dire disons après un an. Donc si vous achetez le baril de pétrole après un an, vous gagnez 20%. Vous avez acheté un actif réel. Vous achetez une vraie part. Maintenant, le call, disons qu'il coûte 5$. Ce call vous permet d'acheter le baril de pétrole après un an à 100$. Imaginons que, après un an, le 31 décembre, le baril de pétrole est à 120$. Quelle sera la valeur du call? Voilà, je fais de mathématiques à 10h du soir, je suis désolé. Voilà. Le call il vous permet d'acheter le baril à 100$. Le col vous a coûté 5$, donc jusque-là, le baril de pétrole vous revient à 105, alors qu'il coûte 120. Donc théoriquement, le col peut monter jusqu'à 14$. Pourquoi? Jusqu'à 15$. Pourquoi? Il peut monter jusqu'à 20$. Pourquoi? Parce que tant que vous serez en dessous de 120 pour le prix de revient, ça sera intéressant. Et si vous achetez le col à 15$, le baril vous coûtera 100$, vous l'aurez eu à 115. C'est mieux que 120, non? Le col coûtait combien au début? 5$. Aujourd'hui, il coûte combien? 15, 17, 20. Donc le profit est de 300%. Qu'est-ce qui est mieux? Faire 20% sur l'actif réel ou la 300% sur le dérivé? 300% sur le dérivé. Moi, j'ai parlé avec des anciens traders et ils disaient que des fois, ils faisaient des transactions avec des leviers incroyables. Ils mettaient 100 millions d'euros sur un dérivé qui ne coûtait plus rien pratiquement, 0,01 euro. Le lendemain, il passe à 0,02. Eh bien, le type, il a gagné 100 millions d'euros en une nuit. C'est ça, les dérivés. C'est très... Et on n'est plus dans l'actif réel, on est dans très mal, dans la spéculation. Donc aujourd'hui, pire que ça, aujourd'hui, le système lui-même, il nous dit, soyez de bons spéculateurs. Le système valorise la spéculation. Comment? Eh bien, je vais vous donner 5 catégories de personnes. Prenez un agriculteur, un ingénieur agronome, un médecin, un professeur et un trader. Qui gagne le mieux sa vie? Et de loin. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le système? Il nous dit, fais du trading. Donc, inconsciemment, le système valorise la spéculation par rapport à la création réelle de richesses patrimoniales. Qui crée la vraie richesse? Bien l'agriculteur, l'ingénieur agronome, l'ingénieur et le médecin. Eux, ils créent la vraie richesse.
une vraie valeur de trader, ouais. Samsara. Même pas Samsara, aucun Samsara, aucun Samsara. Il fait des transactions spéculatives sur des produits dérivés à des nanosecondes. Donc le système, malheureusement, aujourd'hui, favorise la spéculation. En finance islamique, on a rappelé que ça proscrit et les dérivés, en général, sont proscrits. Donc, les banques islamiques, pour conclure, les banques islamiques sont le système financier islamique a les moyens de sortir le monde de la crise. Et on peut exporter ce système, les membres de la Ta'ala, donc on peut la partager avec les gens. Mais elle doit garder sa pureté. Le souci aujourd'hui, c'est que des traders, des banques d'affaires, donc ils le tiennent par le système. Donc on commence à avoir des choses qui sont pas très islamique dans la finance islamique. Au nom de la finance islamique, malheureusement, on commence à avoir aussi des banques. La finance islamique représente l'islam. Assalamu alaikum.